Monsieur le sénateur des Français établis à l'étranger, Madame la conseillère consulaire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef du secteur Europe de l'AEFE, Messieurs les inspecteurs et membres du comité de pilotage de la mutualisation, Mesdames, Messieurs les membres du comité de gestion, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les professeurs et agents de l'école française. Donc je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie officielle des 10 ans de l'école française du Caucase. Cette célébration a débuté au mois de mars par le Forum des métiers et se terminera par un grand concert franco-géorgien le jour de la fête de la musique au mardi 21 juin. Début juin, nous accueillerons deux troupes de théâtre qui viendront de France pour nous proposer leur spectacle. Aujourd'hui a été organisée une grande fête pour les élèves et nous allons maintenant passer à une partie plus protocolaire de cet événement. Nous serons accompagnés par la troupe Erissioni que vous avez pu applaudir et que je remercie. Il y aura des prises de parole, puis nous signerons la nouvelle convention de coopération entre l'École française du Caucase et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Enfin, pour terminer la soirée, nous nous retrouverons autour d'une collation amicale. Mais avant cela, allons ensemble faire un voyage dans le passé pour nous retrouver tout à l'heure dans le présent. L'École française du Caucase a été créée en 2006, alors que l'ambassadeur M. Lefort, qui est en Géorgie, la première directrice, Mme Virginie Constant-Villechange, a créé cette école avec son appui et avec l'appui d'une dizaine de parents. Une mention particulière pour Tamar Posita-Givy, la réalisatrice du film, et toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour intervenir dans ce qui restera un élément important de la mémoire de notre établissement. Et avant de poursuivre avec le groupe Erissioni, qui va nous faire une respiration musicale, je vais laisser la parole à M. Lefort, ambassadeur de France en Géorgie et fondateur de l'École française du Caucase. Monsieur l'ambassadeur. Messieurs les ambassadeurs. Monsieur le sénateur. Madame la conseillère, chère visite. Chers amis géorgiens et français, c'est un grand honneur que vous me faites de me permettre de m'exprimer, et c'est bien entendu un privilège de ne pas abuser, car je limite là simplement mon propos à quelques mots, simplement pour vous exprimer, au nom du petit groupe des fondateurs de l'école, à quel point nous sommes sincèrement émus d'être associés à l'anniversaire de la réalisation de ce grand projet franco-géorgien. Je voudrais d'abord associer à mes propos deux des personnes qu'on voit au début du film et qui sont le conseiller culturel de l'époque, M. François Laurent. Et puis son adjointe, Virginie Villechange, directrice de l'école au cours des deux premiers ans. Elle est là, je crois bien. Vous savez, quand on arrive effectivement autour de la soixantaine, comme c'est mon cas, on s'aperçoit en regardant en arrière que les occasions de créer quelque chose de durable sont en fait assez rares, pour ne pas dire exceptionnelles. Et la fondation d'une grande institution éducative en est une. Da dipnio sa scola da se pure bishekna erteti aseti mishtovani momisteba nemisteri adamiani sfovevoshi. Et en dépit, comme on a vu, de la modestie des origines, nous avions à l'époque vraiment le sentiment et l'ambition de créer quelque chose de grand. Une institution qui allait ancrer la francophonie en Géorgie et renforcer ce lien intime qui unit les deux nations et qui est durable. C'est ce sentiment qui nous a donné l'énergie, l'opinion de traité, peut-être même l'optimisme excessif qui nous a animés au cours de ces premières années. Car à la vérité, les débuts n'ont pas été très faciles. Le projet était très innovant, donc on a eu du mal à convaincre. On anticipait les difficultés, on anticipait les délais, on les a eus. On a pu aussi compter sur des amis, de vrais amis. Parmi eux, je ne veux pas les citer tous, mais je voudrais mentionner M. Jean-Louis Destan, qui était à l'époque président du Conseil général de l'heure. Et c'est lui qui a mis à notre disposition les ressources pédagogiques et architecturales pour présenter, messieurs. Je voudrais aussi mentionner le professeur David Lortipanizé, qui nous a offert le premier hébergement
Et bien sûr, nous le savons tous, l'école française du COPER n'aurait pas été possible sans la contribution d'un grand francophone de ce pays, d'un homme de culture, d'un homme de vision, qui a mis les ressources dont nous avions besoin à notre disposition. Ce 10e anniversaire de l'école constitue un hommage en lui-même que nous lui rendons. Essayons de respecter les délais. Bref, dans les remerciements, car il y a d'autres discours derrière le mien. Je commence. Je suis militaire, donc il faut toujours remercier les anciens de l'école. Les anciens premiers ministres et ministres de notre pays, la Géorgie, les anciens ambassadeurs de France, dont le fondateur de l'école, M. Lefort, les anciens conseillers de coopération et d'action culturelle, les anciennes directrices de l'EFC et enseignants, les anciens membres du comité de gestion, les anciens élèves. Et merci aussi aux acteurs actuels qui font notre jeune école. Monsieur l'ambassadeur de France, messieurs les députés et sénateurs de France, madame le ministre de l'Éducation et de Sciences de Géorgie, messieurs les représentants de l'Union européenne et de ses pays membres, madame la conseillère consulaire, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le chef de secteur Europe de l'AFE, messieurs les inspecteurs et membres du comité de pilotage et de mutualisation, notre mécène de la Fondation Carrefour, les membres du comité de gestion, des différentes instances de l'EFC, le corps enseignant, les personnels techniques de l'école. Et un grand merci aux partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans ces festivités. Voilà, les longues présentations sont faites. Bon anniversaire à l'école française du Caucase. 10 ans, c'est bref. C'est jeune. 10 ans, c'est peu. Mais quel chemin parcouru. Un petit bâtiment, quelques classes, puis ce bâtiment merveilleux. Merci encore à la Fondation Carrefour. Ce bâtiment qui nous est envié, une piscine, un auditorium, des classes spacieuses, une belle cantine et goûteuse, de l'espace, de la lumière, bref, oui, soyons brefs, des conditions d'enseignement plus qu'excellentes. Notre jeune école est accompagnée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ce qui garantit à travers l'homologation la conformité de notre enseignement. Merci encore à l'Agence. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour l'EFC, pour que l'EFC soit une des meilleures écoles étrangères de Géorgie. Le comité de gestion de l'école française que je représente est là pour vous pérenniser ces conditions. L'école est jeune. Nous avons encore besoin de vos soutiens, tant du poste diplomatique, de l'agence et de la Fondation Carrefour pour poursuivre notre développement. Bref, j'ai oublié de remercier aussi le lieutenant du chef d'établissement, la référence historique de l'école. Et surtout, je tenais à remercier, au nom de toute l'école, le chef d'établissement, pour moi, monsieur le directeur, pour ce gros travail accompli, pour en arriver là, l'excellence. Alors que pouvons-nous souhaiter à cette jeune école qui n'est pas encore adolescente? Наші друзі висувало там наш сховище, робоса джерму задовися на кафецькі авіл в церкві. Бон рут, бон вон. Задавило сотки на зубі скарбусу, зубі скарбусу. Une nouvelle page se tourne avec l'arrivée d'une nouvelle chef d'établissement. Le comité de gestion sera là pour la soutenir. Хай директор ще нам освіта, хай тут це вигадає ще вас користь історіяші, та мартвелі комітети борчі да утрі до нас. Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le sénateur des Français établis hors de France, Madame la consulaire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion,
Mesdames et Messieurs les parlementaires, les membres du comité de pilotage de la mutualisation de la zone Europe centrale et orientale, Monsieur le Proviseur, Mesdames et Messieurs les personnels de l'École française du Caucase, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous ce soir pour commémorer le 10e anniversaire de l'École française du Caucase d'ici au nom de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Monsieur Christophe Bouchard, directeur de l'AEFE depuis le 1er février 2016, m'a demandé de vous transmettre ses très chaleureuses salutations. Il vous présente à vous toutes qui font vivre l'école du lycée, le lycée de l'ICI, ses meilleurs vœux de réussite. Pour l'AEFE, la célébration d'un anniversaire est toujours un moment important qui témoigne non seulement de l'enracinement de l'enseignement français dans le pays où il existe, mais aussi et tout autant la vitalité d'un réseau qui demeure unique au monde. Ce réseau est unique au monde de par son ampleur. Dans 136 pays, près de 500 écoles, collèges et lycées, près de 340 000 élèves de toutes nationalités et de tous horizons. Et grâce à un engagement commun, ils continuent, dans un contexte mondial très concurrentiel, de se développer et d'attirer chaque année plus d'élèves. L'histoire du réseau de l'AEFE est avant tout une histoire partagée. En contribuant à former des femmes, des hommes, citoyens, chercheurs, entrepreneurs, artistes, dirigeants, les établissements d'enseignement français à l'étranger font partie intégrante de la vie des pays et des villes où ils sont accueillis depuis des années. En Géorgie, depuis 2013, date de la signature de la première convention entre l'école et l'agence, l'AEFE accompagne et soutient l'école française du Caucase, qui accueille aujourd'hui près de 300 élèves, dont un nombre significatif de Français, de Géorgiens et de toutes nationalités, puisque, comme le disait le proviseur tout à l'heure, ce sont plus de 30 nationalités qui sont présentées dans cet établissement. L'AEFE est engagée aux côtés de l'école française du Caucase dans l'expertise et le conseil pédagogique et la formation continue, avec, pour le primaire, l'appui de notre inspecteur de l'éducation nationale qui est basé à Prague, et pour le secondaire, l'appui des inspecteurs d'académie de notre siège parisien. Avec l'aide également de l'Académie de Strasbourg, avec qui l'AEFE met en place pour les enseignants français le plan régional de formation, et c'est dans le cadre de la préparation de ce plan régional de formation pour la prochaine année scolaire, pour cette zone géographique, que le comité de pilotage de la mutualisation de la zone Europe centrale et orientale s'est réuni aujourd'hui à Tbilissi, à l'école du Caucase. La nouvelle convention qui sera signée aujourd'hui réaffirme la volonté mutuelle de collaboration étroite entre l'école française du Caucase et l'AEFE. Ce projet n'est pas seulement l'outil de la politique éducative commune aux deux pays, il est aussi le cœur, la base pour les rencontres entre les cultures, la compréhension mutuelle et les échanges interculturels. La richesse d'une telle structure pédagogique et éducative est incontestable et elle mérite qu'on travaille à son développement. Il faut donc saluer l'action, le travail et l'investissement de tous les acteurs qui ont rendu et rendent encore possible la réussite et le développement constant de ce projet d'école française en Géorgie et les en remercier. Les autorités géorgiennes qui nous accueillent. La ville de Tbilissi. La France. À travers vous, Monsieur l'Ambassadeur, le service de coopération et d'action culturelle, la Fondation Cartou, l'Association des parents d'élèves de l'École française du Caucase, Monsieur le Proviseur, Thibault Millier, et toute son équipe, les enseignants, l'administration, les personnels de service, les parents, et celles et ceux que nous n'oublions bien entendu jamais dans de telles circonstances et pour qui tout ce que nous faisons ici a un sens, c'est-à-dire les élèves. Donc je vous souhaite une très belle soirée et je souhaite un joyeux anniversaire à l'École française de Caucase.
la déclaration des droits de l'homme de 1948 qui définit ainsi le rôle de l'éducation. L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que développer le maintien de la paix. Héritier de Voltaire, Rousseau, petits-enfants de Jules Ferry, vous, les enseignants, transmettez à vos élèves ce joyau exceptionnel qui est le savoir. Vous le faites avec abnégation et la ferveur qui sont les marqueurs de votre fonction. Nul ne s'y trompait. Le nombre sans cesse grandissant des élèves de l'école française du Caucase est là pour en attester. Bien sûr, le cadre est remarquable pour ce type d'établissement et je tiens à remercier la Fondation Cartoon pour cette son initiative. Mais que serait le cadre sans les femmes et les hommes qui lui donnent vie? Cet orchestre de la transmission du savoir joue une partition difficile dans l'ensemble parfait qui tient aussi à son chef Thibaut Villiers, efficace coordinateur de volonté et femmes. En ce 10e anniversaire de la fondation de l'école française du Caucase, je veux avec vous tous, enfants, parents, enseignants, dirigeants, célébrer cette part de la culture française en Géorgie, guide inlassable de vertu républicaine et garant des valeurs de la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Maintenant, je veux souhaiter le bienvenue à notre sénateur, M. Christian Paza, et je lui passe la parole. Monsieur l'ambassadeur de France en Géorgie, messieurs les ambassadeurs, monsieur le représentant de l'agence, messieurs les représentants de l'agence française en France et l'étranger, madame la conseillère consulaire, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs les membres des instances dirigeantes, enseignants, parents d'élèves, élèves aussi de l'école française du Caucase, mesdames, messieurs, tout d'abord, comment ne pas débuter mon propos en souhaitant, comme tout le monde a fait avant moi, un très bon anniversaire à cette jeune et belle école française du Caucase, véritable, je cite, joyau de notre présence institutionnelle, comme l'avait qualifié mon amie la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellal lors de sa visite en Géorgie en 2013. Bon anniversaire donc à l'école, certes, mais bon anniversaire surtout à ceux d'hier, comme à ceux d'aujourd'hui qui ont œuvré et qui œuvrent jour après jour pour en arriver à ce complexe remarquable que je découvre aujourd'hui. 10 ans, c'est jeune, mais l'évolution depuis 2006 est impressionnante. Et je crois avoir compris cependant que l'école est loin de vouloir se reposer sur ses lauriers. D'autres défis s'offrent à une équipe pluriculturelle que je sais motivée et très opérationnelle. Mais je ne fais pas de soucis, car l'essor de l'école, année après année, sous l'impulsion de femmes et d'hommes qu'il faut aujourd'hui saluer, s'est fait de façon harmonieuse, sans brûler les étapes, sans précipitation, sans que l'école y perde son âme. Nous avons vu les chiffres du développement de l'école depuis ces 10 dernières années. Ils sont en tout point éloquents. Je m'arrêterai cependant sur un point qui caractérise l'enseignement français à l'étranger. En effet, par l'excellence de son enseignement, le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger façonne l'image de notre diplomatie, fait de la France un fleuron en matière culturelle et contribue au renforcement de nos relations internationales et plus particulièrement ici, entre la Géorgie et la France. L'école française du Caucase réussit son pari avec intelligence, son potentiel est immense. Voilà donc le meilleur exemple de ce que j'appellerais le « penser demain pour agir aujourd'hui ». Et donc, pour marquer cet anniversaire, puisque ma maman m'a toujours appris qu'on ne vient pas à un anniversaire sans avoir un cadeau à la main. Demanderai à M. Thibaut Millier de venir au nom de tous les personnels, les parents d'élèves, le comité de gestion, le conseil d'administration, j'en passe des meilleurs et des élèves, pour que je puisse vous offrir modestement une plaque du Sénat. Enfin, une tuile du Sénat, parce qu'il nous entend suffisamment en ce moment. Ça, traduisez comme vous pouvez. Merci.
sénateur, cher Christophe André Frassin, monsieur, madame, plutôt la conseillère consulaire, cher Lucien Bardon, monsieur le directeur, chef Thibault, monsieur le représentant de la LFE, monsieur le président du comité de gestion, très chers amis, chers collègues ambassadeurs, c'est à mon tour de prendre la parole. Je dirais simplement que c'est un grand moment d'émotion pour nous tous d'assister à cette manifestation. En accueillant 40% de Géorgiens, 35% d'élèves étrangers et 25% de Français, cette école montre à quel point elle est internationale. Et c'est déjà pour moi un signe évident de succès. Enfin, je tiens à saluer l'engagement de tout le personnel de l'école et je pense qu'ils ont été non seulement formidables dans ce qui se passe à nos enfants, mais aussi dans l'organisation de cette merveilleuse soirée. Un grand merci à notre généreux et discret mécène, que j'ai salué l'après-midi, et aux représentants, le président de la Fondation Carrefour, sans lesquels, disons, nous ne pourrions pas vivre, sans événement d'un signe d'établissement. Et je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci monsieur le président du comité de gestion, monsieur Parent, bien sûr, à la table, et si monsieur l'ambassadeur de France qui représente l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de France. Vous le savez, l'École française du Caucase est un établissement hors normes que j'ai la chance de diriger. C'est évidemment un grand plaisir de travailler dans ce contexte dynamique et novateur. C'est un grand bonheur de collaborer dans une si bonne ambiance avec une équipe motivée, compétente et sympathique. Mes derniers remerciements pour nos parents qui nous font confiance pour coéduquer leurs enfants. Sans cette confiance, il n'y a pas d'établissement, nous devons toujours nous en souvenir. Je vous remercie à nouveau de votre présence et vous invite à vous rendre à la salle de restauration où l'équipe de cuisine a préparé une collation bien méritée. Gracias.